Ascorine a fait une descente ce matin au CHU de Libreville. Nous constatons des situations insoutenables. Là, nous sommes face à une jeune Camerounaise de 16 ans qui a donné la vie par césarienne, son enfant en salle de soins intensifs à Léonat. Mais cette jeune fille, économiquement faible, qui est assurée par la CNAMGES, n'a pas depuis 10 jours des soins appropriés. Il manque tout pour elle. Donc là, sa plaie, elle est ouverte. Elle ne voit pas son enfant. Elle est malade. Elle n'a aucun soutien de la part de l'hôpital ni de la CNAMGES pour sauver la vie de cette fille-là. Alors là, je lance un coup de gueule. On ne peut pas garder un malade de cet âge dans un hôpital sans que l'hôpital ne puisse donner des soins à un malade. Et en plus, elle est économiquement faible. Les services sociaux sont passés ici. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que le directeur général de l'hôpital général est informé qu'il y a une jeune Gabonaise qui a donné la vie et qui se trouve dans cette situation? On ne comprend rien du fonctionnement de ces hôpitaux. Nous sommes dans un hôpital public financé par l'argent public et on trouve encore des malades qui sont abandonnés à l'hôpital sans soins. Voici le cas de cette jeune fille. Nous appelons tout le monde à rapidement prendre en charge cette petite fille, surtout l'hôpital. Nous interpellons le ministre de la Santé d'agir rapidement et nous interpellons la CNAMGES qui ne cesse toujours de jouer dans le mensonge. Vous avez des représentants ici dans les hôpitaux, mais on ne sait pas à quoi sert les services de la CNAMGES ici à l'hôpital. Comment un malade comme ça peut être abandonné depuis 10 jours, assuré CNAMGES sans soins, dans un hôpital, elle occupe, elle ouvre l'hôpital. Ça, c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre où il y a une assurance maladie obligatoire. Donc, il faut que la vie de cette fille soit rapidement sauvée. Nous allons saisir le directeur général de la CNAMGES pour, comment on peut dire, non assistance à personne en danger. On ne peut pas comprendre ça. Vous allez dire que l'hôpital manque des médicaments et il n'y a pas qu'elle. Ce matin, j'ai trouvé une autre jeune fille qui était abandonnée, qui a fait une césarienne. Elle est là à gauche, en bas gauche. Ce sont les patients qui l'ont nettoyée ce matin. Elle était trempée. Ce sont d'autres malades qui l'ont nettoyée ce matin alors que nous avons un personnel médical dans cet hôpital. Comment les parents peuvent nettoyer les patients alors que nous avons un personnel médical qui devrait s'occuper de ça? Et là, vous voyez, dans cette salle, il y a plusieurs bébés. Et lorsqu'il y a des odeurs de sang et autres, ça met mal à l'aise tout le monde. Et cette jeune fille, grâce à la solidarité d'autres patients, ce sont elles qui l'ont nettoyée ce matin. Et là, elle retrouve un peu la vie. Vous vous rendez compte? Et ça se passe dans un CHU. Au Gabon, à Libreville, là où il y a une assurance maladie obligatoire. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Nous cotisons pourquoi la CNAMGES? À quoi sert une direction générale dans un CHU? Quand on dit que les médecins ne sont pas faits pour gérer les hôpitaux, voilà, ils sont dans leur clinique. Ils n'ont pas le temps de personne. Ce qui est directeur général à l'hôpital général, c'est un médecin. Qui est son adjoint? C'est un médecin. Au lieu de s'occuper des malades et laisser la place à ceux qui sont formés dans l'administration, tout le monde veut occuper des postes pour manger. Voilà une Gabonaise qui est en train de souffrir dans l'hôpital. Et là, nous lançons un SOS. Il faut rapidement qu'on la soigne. Et les Gabonais peuvent passer par Ascorine au 077 45 50 68 pour essayer d'apporter de l'aide à cette jeune fille qui est économiquement faible. Les parents, malheureusement, au Gabon, lorsqu'on est pauvre, est-ce qu'on doit perdre sa dignité? Est-ce que lorsqu'on est pauvre, on perd sa souveraineté? Le Gabon est suffisamment riche pour s'occuper de tous ses enfants. Un autre cas, dans une autre salle, où la patiente a payé 52 000 francs pour qu'elle soit opérée, alors qu'elle est économiquement faible. Comment la CNAMGES peut encore racketter ses propres assurés? On ne comprend plus rien. Là, je suis au CHU de Libreville. Comment la CNAMGES peut-elle encore racketter ses propres patients? Vous prenez 52 000 francs à cette patiente, pour quoi faire? Nous allons enquêter sur ce problème dès lundi, puisque la famille a un reçu. C'est pas normal. La salle de bain, vous irez la filmer. Ils se sont plaints ici qu'ils se retrouvent avec des poubelles souvent pleines pendant 3 jours et les odeurs remontent dans les chambres. Comment, dans une maternité où il y a des bébés
qui vient de naître, on peut se retrouver dans un environnement qui sent mauvais. On est au CHU de Libreville. Oui, j'étais déjà là ce matin. Elle n'avait aucune perfusion. Ils ont mis juste... ils n'ont rien mis dedans. On me dit que c'est une perfusion qui n'a aucun traitement à l'intérieur, juste pour occuper la voix. Et là, ils l'ont fait dès que j'ai tourné le dos. C'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Elle se torture de douleur. J'ai l'ordonnance, on me demande de payer le minimum qu'un hôpital doit avoir, c'est-à-dire... c'est perfusion. Et là, je ne sais pas, là, ils ont eu ça parce que j'ai crié ici tout à l'heure. Ils ont placé, mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucun traitement. Il n'y a que de l'eau qui coule. C'est vrai qu'elle a de la famille, mais si la famille n'a rien, est-ce que ces jeunes filles qui prennent des grossesses précoces parce qu'elle n'a pas encore atteint 18 ans, est-ce que dans tous les pays qui se respectent, on ne devrait pas les encadrer, les prendre en charge? Nous nous posons la question, les filets sociaux de la CNAMG, ça sert à quoi? C'est là qu'on s'occupe des jeunes filles, mères, des Gabonais qui n'ont pas de moyens. Elle est là, elle n'a rien. Ça fait 10 jours qu'elle est là, sans soins. 10 jours. Et sa plaie est ouverte. Elle n'a pris aucun antibiotique, aucun calmant pour la douleur. Elle est là comme ça depuis 10 jours. Comment il fait? C'est la personne. On va quand même assurer par le service de guerre. La plongée. Vous constatez bien qu'il n'y a personne dans ce guichet. Nous sommes les samedis après-midi. Il n'y a pas eu service de relais pour recevoir les malades plongés. Il n'y en a pas. Le PAC, Clamgest PAC. En quoi consiste ce partenariat? Est-ce que le patient peut avoir l'action du médicament rapidement ici? L'hospitalité. Nous avons une jeune fille qui est en maternité. Ça fait 2 semaines qu'elle a accouché, elle n'a pas de soins à proposer. Elle a fait une césarienne, elle n'a pas de soins. Vous voyez que c'est quand même insupportable. Voilà pourquoi nous venons vers vous, venez vers la CNAMGES pour dire comment elle assure que la CNAMGES économique m'en sait. Ça fait 2 semaines qu'elle est en maternité, elle a accouché par ses arrières. Elle se tord de douleur, elle n'a ni antibiotiques, elle n'a rien. Ils ont dit qu'on ne peut rien. On a fait venir les assistants sociaux. Les assistants sociaux sont venus ici, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien. Si elle a son papier, son assurance, on lui fait sa prescription journalière, elle prend les médicaments et puis c'est si simple que ça. Voilà, nous sommes très étonnés. On venait là vers la CNAMG, c'était pour se renseigner. Voilà qu'on découvre qu'il y a un bureau qui peut donner aux patients des médicaments. Cette jeune fille, vous pouvez aller vérifier. Ma faible. Normalement, c'est 0 francs, n'est-ce pas? On met des structures, mais les gens ne sont pas informés et les gens n'ont pas accès aux soins. Elle est là-bas, elle est en maternité. Vous allez en maternité et elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Il nous faut ce papier-là. Essayez de voir avec le médecin. On l'a même immatriculée ici. Alors, ils l'ont immatriculée ici, elle est identifiée, ça fait 2 semaines, elle n'a pas de soins. Elle a fait une césarienne et le matin on me dit que si on ne la soigne pas, elle va faire quoi, mais c'est pas croyable ça. On reçoit tout le temps les femmes enceintes, les femmes qui accouchent ici. Tout le temps elles sont reçues là, elles ont des ordonnances, des ordonnances, des c'est compliqué. Est-ce que dans un hôpital les choses devaient se compliquer comme ça? Alors qu'il y a des structures, chacun devait faire son travail. J'ai trouvé un autre bébé ce matin.
une autre jeune fille qui a accouché hier, jusqu'à midi, elle n'avait pas été nettoyée. Donc, elle puait dans la chambre où il y a d'autres bébés. Ce qui fait que ce sont les mamans des autres patients qui l'ont nettoyée devant le personnel médical. Ils ont dit, ce n'est pas notre heure de nettoyer. Elle va attendre midi prochain. Voilà, que j'étais déjà là, le cas de la petite fille là m'a interpellée. Je suis revenue voir, mais elle n'a toujours pas de traitement. Là, on vient de la mettre quand même un glucosier, mais qu'il n'y a rien dedans. Elle a un frère qui est là, que j'ai trouvé. Elle a une mère qui ne travaille pas. Elle a un frère qui est venu. Quand elle est arrivée, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a rien. Non, il est en train de prendre le dieu, mais il met question parce qu'il voit le machin pour qu'on dise qu'il y a un centre ici. Ici, c'est la caisse de la pharmacie. Oui. Alors comment, voilà, c'est fait pour eux. Comment dans un CHU où il y a des assistants sociaux, il y a un personnel médical, il y a des majors, il y a tout le monde, on ne peut pas orienter les malades vers les structures appropriées pour la prise en charge rapide du patient. Est-ce qu'eux, ils ne font pas la garde ici? Oui, il y a une jeune fille à l'hôpital, madame. Si vous étiez deux, vous devez laisser votre guichet. On va tout de suite à la maternité. Mon collègue n'est pas là souvent, c'est lui qui va constater, même dans les chambres. Elle est là. Oui, elle est là. Deux semaines, on vous dit deux semaines, elle est là. Ça fait 10 jours. Elle n'a vu son bébé qu'une seule fois, il est en néonat. Elle n'arrive même pas à entrer là-bas pour voir son enfant. 10 jours, je la découvre ce matin. Il n'a aucune raison valable. Il n'a aucune raison, il n'y a pas de médicaments. Comment le personnel médical sait qu'il y a cette structure qui est là? Ils disent qu'il n'y a pas de médicaments. Ils m'ont même fait une ordonnance sur papier. Et voilà ce qu'ils lui font, les antibiotiques. C'est pas normal, voilà, on a un petit Alors, il y a un problème à l'hôpital. Hein. Et là, j'ai trouvé encore un autre business à l'accouchement. Ils vendent certains produits aux patients. C'est-à-dire, ils ont proposé des flacons. Alors, moi, j'ai dit, mais l'hôpital n'a même pas des flacons. Oh non, ça s'en fait dans le social, on leur vend ça ici. J'ai dit, mais mettez ça sur ordonnance. Vous n'êtes pas là pour vendre les produits pharmaceutiques dans l'hôpital. Et ça s'est passé ce matin. La major actuelle qui est légale, là, c'est elle qui est responsable de ce business-là. Avec tout le groupe, ils ont vendu, ils voulaient vendre des flacons, des tubes de prélèvement aux patients. Alors, nous, on a trouvé que c'est curieux. La famille m'ont saisi à côté. Je dis, mais pourquoi vous ne mettez pas ça dans l'ordonnance? Pour qu'ils aillent payer, non, nous, on fait dans le social, on les revend ici. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous, et ici, là, vous avez des tubes, non? Voilà. Bon, en ce moment, c'est en rupture. Oui. On oriente souvent nos patients à l'extérieur dans notre pharmacie. Oui. Si c'est coloré, c'est déposé et tout ce qu'il faut, cathéter, voilà, une de nos. Oui. Voilà, une de mes collègues qui est à la pharmacie. Oui, s'il vous plaît. Très rapidement. Et c'est pas votre service, c'est à eux d'orienter les parents vers ici. Moi, c'est uniquement la pharmacie. Si elle vient là sur papier, nous on se doit de l'en servir comme on se doit. Mais en ce qui concerne le papier, la CNAM GS et autres, Mais pourquoi la CNAM GS elle-même ne va pas vérifier l'état de prise en charge de ces patients? Ils n'ont pas le souci. Qui est? Gabon. Non, c'est un bilan. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vérifier une série? Donc le week-end, ils ne font pas la garde. Sûrement, tout se passe au niveau de l'accueil là-bas. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de garde. Donc ici, ce service s'occupe uniquement d'aider les malades économiquement faibles. Ou bien tout le monde. Pas forcément tout le monde. Allô? Une mère
on lui demande de payer 52 000 francs avant d'entrer au bloc alors qu'elle est économiquement faible. Donc si elle n'a pas cet argent, elle doit mourir. Merci, madame. On ne tourne pas en rond. On continue à nous mentir tous les temps qu'on prend en charge les malades. Là, vous avez cette ordonnance. Le patient doit rentrer à l'hôpital. Ça fait plus de 3 jours. Ils prennent une ordonnance et ils ne trouvent pas le médicament dans les pharmacies. Alors, et sur l'ordonnance pour aller au bloc ici, on te fait payer les frais du bloc. C'est-à-dire les frais du bloc doivent être payés avant même que tu rentres au bloc. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on nous dit à nous, les économiquement faibles, que quand vous venez à l'hôpital, vous devez d'abord payer les frais du bloc, c'est-à-dire le médecin qui doit t'opérer doit être d'abord payé. Et vous payez ça à la caisse. Vous êtes économiquement faible. Vous allez payer avec quoi? Donc vous mourrez. Voilà ce patient. Ils disent qu'ils ont ouvert une pharmacie. Leur pharmacie n'est pas équipée. Leur pharmacie n'est pas équipée. Donc, tous les patients vont dans les pharmacies. Est-ce que c'est cet accord de ristourne? Parce que chaque médecin a son code, Clamjes. Est-ce que c'est cette ristourne-là qui motive les médecins à envoyer les malades vers les pharmacies alors qu'ils viennent de mettre en place une pharmacie dans l'hôpital? Et même l'information ne circule pas. Puisqu'on venait de vous parler de cette jeune fille qui a la maternité, ça fait 2 semaines qu'elle a accouché par césarienne, elle n'a aucun traitement. Alors que le personnel médical sait bien qu'il y a une pharmacie dans l'hôpital. Mais comment on peut évoluer comme ça? Qui dit la vérité? Le haut du haut, il y a le pâte, il y a ceci. On est venu, une jeune fille, 2 semaines, elle a accouché par césarienne, elle n'a pas de médicaments, alors qu'il y a une pharmacie, le personnel médical regarde cette jeune fille mourir, comme ça elle va attraper des infections. De qui se moque-t-on? Voyez l'exemple de ce patient. Il a les frais du bloc. Donc les frais du bloc sont compris dans les ordonnances. Tu dois savoir combien tu dois payer pour que tu rentres au bloc, assuré ou pas assuré. Mais qu'on nous le dise, à quoi sert maintenant la CNAM? Juste la CNAM ne paye quoi finalement? Les frais du bloc là, ça sort d'où maintenant? Qu'il faut payer d'abord les frais du bloc avant d'entrer au bloc. Voilà, on vous a apporté la preuve.